Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Jeudi dernier, il y a quelques jours, j'ai sorti la vidéo « Arrêtez tous eBay ». Et ça vous a plu, vous avez compris que peut-être vos ventes sont trop lentes, vous n'êtes pas sur le meilleur marché, vous galérez, vous n'avez pas assez de ventes, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et vous êtes dit « Putain, c'est vrai que Joseph, depuis 2018-2019, il nous dit « Il faut se lancer à l'international, il faut aller au UK, il faut aller en Allemagne, il faut aller aux États-Unis, il faut aller voir les gros marchés, Espagne, Italie, tout ça. » Il y a beaucoup de ventes. Pas loin de nous, pas loin de nos frontières, nos voisins très riches. Il y a des ventes à faire, des grosses ventes à faire. Et je me suis dit, dans la continuité de cette vidéo, pourquoi ne pas s'y mettre à fond tous ensemble et briser les frontières. Et là, je me suis dit, allez, let's go. J'ai balancé un sondage sur YouTube et devinez quoi, qu'est-ce que les gens veulent? Comment vendre à l'international? Vous voulez savoir tous comment vendre à l'international? Et qu'est-ce que je me suis dit? Ben, ça tombe bien, c'est parfait. Parce que j'ai, du coup, fait ça pour vous et vous allez voir, j'ai créé, boum, ITL. Alors ITL, qu'est-ce que, alors ITL, ça veut dire international, international, voilà, vous l'avez compris, c'est juste en trois lettres, parce que si je mets international, ça aurait fait un roman. ITL, c'est quoi? Ben, c'est mon nouveau programme, septembre-octobre 2024. Donc je vais vous apprendre de A à Z comment vendre à l'international. Et quand je dis vendre à l'international, là c'est tout, c'est-à-dire vous allez savoir quel marché, aller sur quel marché, sur quel marketplace, les fournisseurs, les produits, les niches, les outils, les sites, la fiscalité, les TVA, pas TVA, machin, les emballages, pas l'emballage, il y aura tout de A à Z, tout ce dont vous avez besoin pour exploser ce Q4, les amis, vous l'aurez dans ITL. Donc je vais vous montrer en plus en détail, let's go, boom. Donc ITL, formation, alors comme d'habitude, je vais inclure entre 30 et 40 vidéos, 2 heures de contenu, vous le savez, beaucoup de valeur. Bon, ça c'est mon palmarès, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et voilà, j'ai mis ça, soyez le premier à briser les frontières. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui se chient dessus, vous avez peur. Vous dire, oh, mais aller vendre à l'étranger, il faut que je parle anglais ou allemand ou machin, j'en sais rien, ou espagnol ou italien. J'ai peur, je fais pas beaucoup de ventes en France, l'étranger ça va être pire. Non les gars, là c'est... il faut casser cette barrière, c'est pas vrai. Déjà, pour vendre à l'international, vous n'avez pas besoin de parler aucune langue étrangère. Donc, pas besoin de parler anglais, pas besoin de parler allemand, pas besoin de parler quoi que ce soit. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses compétences de fou. Avec ce que je vous donne, ça suffit largement pour vous lancer et pour cartonner. Donc même les débutants peuvent le faire aussi. Donc ne vous chiez pas dessus. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que, sans vous mentir, pour être honnête, les chiffres que je fais, que je vous présente à chaque fois, que je vous ai dit, que je parle, je vous montre sur toutes les vidéos que je fais, les chiffres que je fais, c'est fait déjà moi au Royaume-Uni. Je vous le dis depuis, j'ai commencé le drop en mars 2016, vous le savez, quand je vivais au UK à Manchester. Et ces chiffres ont été faits à l'étranger. Et je le dis depuis le début. Alors la France, alors je connais bien, hein, j'ai testé tous les marchés français, italiens, et bon, UK bien évidemment, mais français, italien, je connais un peu bien, je connais bien. Mais là où j'ai toujours les meilleurs résultats après avoir testé plusieurs marchés, bah c'est toujours le marché UK. Donc qu'est-ce que je me suis dit? On va se lancer, briser les frontières tous ensemble, let's go. Alors pour arriver sur cette page, les amis, il faut y avoir un lien en dessous, allez voir. C'est le lien pour ITL, c'est le seul lien dans la description. Bon, donc voilà, qu'est-ce que c'est alors? Donc voilà, ITL, ça va vous permettre de briser les frontières et ces barrières mentales que vous avez. Parce qu'on va aller sur des marchés qui ne sont pas forcément connus tous, qui sont sous-cotés, où il y a des grosses ventes, des gros chiffres, pas forcément beaucoup de concurrence, ils sont méga rentables et vous n'avez pas besoin de parler aucune langue étrangère. Donc voilà, il y a du gros cash à générer à l'étranger et tout ça, vous allez pouvoir le faire bien évidemment en ligne, sans parler aucune autre langue. La concurrence est vraiment très basse, les pros et particuliers sont bienvenus, c'est sous-côté méconnu, tout le monde peut le faire. Et ITL, c'est du contenu jamais révélé auparavant, vous l'avez compris, c'est neuf, c'est frais, ça vient ce mois-ci. Et vous allez pouvoir faire des grosses ventes et des grosses marges. Donc voilà, l'avantage de vendre à l'étranger, c'est que bah, déjà, n'importe qui peut le faire en quelques clics en ligne. Vous pouvez faire ça en ligne en quelques clics. Et vous n'avez pas besoin d'être en Allemagne ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou en Espagne ou en Italie. Vous pouvez le faire en ligne de chez vous. Vous pouvez faire du drop, bien évidemment, voilà. Et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une société dans le pays dans lequel vous visez, quoi. Voilà. Donc, le but, ce que j'enseigne, c'est que vous n'allez pas courir après les clients, c'est eux qui viennent vers vous. Donc d'habitude, vous galérez, vous n'avez pas de bonnes ventes, vous avez des marges faibles, un trafic bas, trop de concurrence saturée, pas rentable, vous avez peur que votre Q4 foire et que vous ne faites pas de cash. Ben là, justement, je vais vous montrer comment avoir des frais bas, des grosses ventes, tout en ligne, avec du gros cash, résultat rapide et marges élevées. Voilà, donc en gros c'est ça, ça va être ça, ITL, les clients viennent vers vous, vous ne leur courez pas après, vous allez vendre sur les plus gros marchés
internationaux. Vous pouvez faire ça avec un smartphone, avec un ordi, pas besoin forcément de société. Vous n'allez pas investir de l'argent en publicité et vous n'avez pas besoin de parler aucune langue étrangère, vous l'avez compris. Les pros, les avancées intermédiaires, vous pouvez le faire. Faire 130 minutes, c'est possible. Voilà, 30, 40, une minute, une heure, c'est possible. N'importe où vous soyez dans le monde, les amis. Et qu'est-ce que je vais vous donner dans ITL ? Ben, tout, en fait, tout, tout, de A à Z, les amis. Vraiment, les produits, les fournisseurs, les niches, parler de la fiscalité, les stratégies, les outils, des sites, des marketplaces, tout de A à Z, vraiment tout. Tout ce dont vous avez besoin pour cartonner sur... à l'international, quoi. Et des secrets, bien sûr, que je dévoilerai pas sur YouTube, bien évidemment. Bon, ça, c'est les témoignages des élèves. Allez voir. Je vous laisserai checker le lien. Je ne vais pas trop m'attarder. Par contre, une chose importante. ITL est disponible que une semaine à partir du moment où je fais cette vidéo. Donc, le 6 octobre à minuit, fermeture définitive. Voilà, je vais le fermer complètement parce que j'ai décidé qu'il n'y a pas tout le monde qui doit se lancer à l'international. Ça doit être réservé à une élite, à un groupe fermé. Donc, le 6 octobre à minuit, dans une semaine, fermeture définitive. Donc, vous pouvez vous lancer. Vous avez un bouton ici, vous cliquez dessus, bam, vous remplissez le formulaire, vous mettez vos infos. Alors ça, j'ai déconné, j'ai fait que, vraiment, c'est cadeau. Prix cadeau, je vous conseille fortement de prendre les 200 produits en plus, en cochant la case ici, c'est 17 balles en plus. Pour 50 balles, les amis, vous avez tout le pack complet, et vous aurez la formation et les 200 produits, et c'est incroyable, les amis. Et bon, les gens qui me connaissent pas, qui me font pas confiance, allez voir sur Joseph Torregrossa, avis sur Trustpilot, je suis noté excellent, 4,6 sur 5, je suis dans le business depuis 2016, je suis sur YouTube depuis 2018, et tout le contenu est protégé 100% garanti. Ça veut dire que si vous aimez pas, je vous donne une autre formation du catalogue Profimi gratuitement, sans frais, et il y a 50 formations, ça ce sera la 51e formation ITL, donc il y a 50 formations dans mon catalogue, donc c'est énorme. Les gens qui connaissent pas Profimi, allez sur profimiacademy.com. Donc les gens maintenant, qui me disent, ah mais Joseph, j'ai déjà tes autres formations internationales, j'ai déjà vendre au UK, vendre aux US, vendre en Allemagne, vendre au Canada. On va dire que tout est complémentaire. Voilà, ITL ne va pas remplacer les autres, c'est du complément. Ça veut dire que je vais vous donner tellement de pépites. Imaginez, je vais vous montrer les meilleurs marchés, comment vendre sur ces marchés avec des frais très bas, comment cartonner sur le net. Je vais vous donner les niches, les fournisseurs, les produits de chaque marché en plus. Hein, vraiment, là, j'ai mis le paquet parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. On parlait fiscalité aussi. Hop, je vais vous donner les outils, les sites. Bon, bref, vous avez compris, tout de A à Z. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment faire, Joseph, machin, je galère, machin. Vous avez beaucoup de questions encore. Ben justement, ITL est là pour répondre à toutes vos questions. Ça va être un programme bien d'une trentaine de vidéos, 2 heures de contenu. Je vais vous donner beaucoup, beaucoup, mais alors énormément de valeur. Après, cadeau, 37 balles, c'est vraiment un cadeau. Je vous conseille de prendre les 200 produits en plus. Vous avez un lien en dessous, vous pouvez rejoindre. Je ferme ça définitivement le 6 octobre à minuit parce que je veux pas que tout le monde ait accès à ce contenu-là parce que c'est du lourd, c'est du gold, c'est de l'or. Et je veux pas que tout le monde ait accès à ça parce que sinon, on va se retrouver à 15 000 personnes qui se lancent à l'international, même si il y a largement la place, je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai, bon, pas se mentir, parce qu'il y a beaucoup de marchés à l'international. L'international, c'est quoi? C'est le UK, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, bref, il y a largement la place. Il y a les pays scandinaves aussi, il y a les pays de l'Est, bref, il y a beaucoup de choses à aller à explorer tous ensemble, et je pense que je peux mettre ma pierre à l'édifice, surtout que je vis à l'étranger, vous le savez, depuis 2009. Je parle plusieurs langues, j'ai l'habitude de vivre et de vendre à l'étranger, donc c'est vraiment quelque chose qui... la vente en ligne, l'e-commerce et les marketplaces, c'est mon truc. Et l'étranger, bah, c'est moi, hein. Je suis la personne qui a quitté la France en 2009 et qui vit à l'étranger de mes business depuis tout ce temps. Donc, qui est mieux placé que moi pour vous apprendre ce genre de choses, voilà. Donc voilà, donc vous avez un lien en dessous, vous pouvez vous lancer ITL. Paquet. Alors, les gens qui ont des questions, écrivez-les en dessous, je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Tout est garanti, s'il y a un problème, il n'y a pas de souci. Et posez vos questions, je réponds à tous. Et on peut vite fait montrer, je peux vous montrer si vous voulez quelques chiffres, mais vraiment, vraiment, c'est du lourd. Un exemple, on va aller sur, j'aime bien aller sur SimilarWeb, boum. On prend un exemple, bête, hein, encore, IBFR. Bon, vous l'avez compris, je pense, depuis le temps maintenant. IBFR. 27 millions de visites, ok, on revient, et on met juste eBay UK, par exemple, bam, il faut que je crée un compte, je le sentais, mais alors ça je la sentais la douille, même si j'ai déjà un compte depuis longtemps, ils me font chier. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer quelques chiffres, même si sûrement vous les connaissez ces chiffres les amis, mais je préfère vous les mettre au visage pour vous montrer un petit peu que la France, c'est bien comme marché, mais il y a des gros, gros marchés à l'étranger qui vous passent sous le nez. Et malheureusement, vous en profitez pas, quoi. Et c'est dommage parce que
vous n'avez pas vraiment besoin de changer vos habitudes ou ce que vous faites. Vous pouvez faire la même chose que ce que vous faites en France, mais à l'étranger. Donc, du coup, ben, vous aurez beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de marge et beaucoup plus de... Voilà. Vous avez vu, c'était 27 millions. 27 millions en France, 211 au UK. 211 millions au UK. Pareil, on peut faire pareil avec Amazon, même si Amazon, c'est super dynamique en France, c'est pas mal. Mais quand même, je vous garantis, Amazon en France, 200 millions, c'est quand même énorme. On va pas se le cacher, quoi. Mais moi, le UK marche mieux pour moi, quoi. Je fais moins de ventes en France que UK. Mais voilà, 385. Je comprends pourquoi, parce que c'est presque 400 par rapport à 200 et quelques en France. Donc ça, c'est quelques exemples que je vous montre. Encore une fois, on peut même rigoler. Je veux pas, je me fous de la gueule de personne, mais on peut aller sur... Zeek Analytics, ok, on va se connecter, on va regarder quelques chiffres de vendeurs eBay aussi. Je me fous de la gueule de personne, ok, je suis pas là pour ça, c'est pas mon but, hein. Moi je suis là pour vous montrer des chiffres concrets et des preuves surtout, ok. Donc on va prendre un bon vendeur eBay, je suis sur eBayFR, je vais prendre un bon vendeur eBay, quelqu'un qui pèse et qui, je sais qu'il est là depuis longtemps, et on va regarder les chiffres, on va comparer, vous savez, on va comparer, par exemple, un vendeur dans l'automoto, ok. J'ai ouvert son profil, ça rame un peu. Voilà. Un vendeur dans l'automoto. Ok, ouais, ça ouvre 15 pages, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est moi qui fais n'importe quoi, c'est pour ça. Tac. Donc, mon grossiste auto, il est connu. Hein, c'est un vendeur dans l'automobile, dans l'automoto. Je sais même pas si on va pouvoir le scanner, mais on va essayer. Tac. À l'impro, comme d'habitude, je fais tout, j'improvise. Voilà, il fait 83 000. Pas mal quand même. C'est pas mal du tout, mais ça va être un des plus gros poids lourds sur le eBayFR. Maintenant, on va prendre la même chose sur eBay UK. Ok. On va aller dans les Daily Deals. Ok. Et on va trouver quelqu'un dans l'automobile aussi. Qui on va prendre? Quelqu'un qui est à peu près similaire, on peut voir. Hein. Non, lui, il a 6000. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais vous allez voir que bah, là, je vous ai pris un poids lourd en France. Donc... faudrait quelqu'un qui est à peu près... Bon, lui qui vend des license plates, quelqu'un qui... Alors, je vous ai pris quelqu'un en France de 37 000 avis. Mais lui, il est gros. Hein. C'est un poids lourd, quoi. Et on va comparer au UK quelqu'un dans l'automobile qui a à peu près les mêmes avis. 159. Non, ça serait pas juste. Ça serait pas juste. Parce que le but que je veux faire, c'est comparer un vendeur lambda... Ah, lui, il est hors compétition. Je veux comparer un vendeur lambda eBay UK et eBayFR et vous montrer un petit peu la différence de chiffre. Bon, là, le truc, c'est que ça revient toujours pour les poids lourds. Les poids lourds. Tac. Ouais, bon, du coup, mais si je prends lui, mais ça, bon, c'est pas... Bon, en même temps, vous allez me dire, bon, ça marchera pas comme ça. Il faut aller dans les évaluations, ici, et il faut descendre pour avoir son vrai nom d'utilisateur. Voilà. On est sûr qu'on ne se fait pas avoir, quoi. Ok. Ah non, mais lui, il n'est pas. Il faut l'ajouter à la liste. Bon. Bref, en tout cas. Je vais en prendre un. N'importe quelle niche, alors, on s'en fout. Je vais en prendre un au hasard. Bon, lui, il a 42 000 avis, donc c'est à peu près. Après, il a sa marque, c'est différent, mais bon. On prend ce qu'on peut prendre comparable, quoi. Bon, vous connaissez tous Ninja Kitchen, à mon avis. Voilà, on prend, il est à 42 000. Donc, c'est à peu près un compte similaire, on va dire. Mais bon, lui, il a sa marque, c'est différent. 800 000. Bon, après, c'est vrai que je ne peux pas vraiment comparer. L'autre, il fait 85. Bon, il fait 10 fois plus. Bon, après, il a 42 000 avis. Il a créé son compte en 2016. Et ce monsieur-là, putain, j'ai fermé la page. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je suis maniaque de fermer les pages, quoi. Maniaque de fermer les pages. Tac. 2012. En 2012. Ouais, il est là depuis longtemps, mais il vend juste l'automobile. Bon, voilà. Après, bon. Un, il fait 80, l'autre, il fait 800 000. Mais pour, en fait, ce que j'essaie de vous montrer avec ça, c'est que. Au UK, bah, c'est vraiment x10. Là, c'est un exemple comme ça que j'ai pris à l'arrache, mais c'est vrai. Au UK, c'est x10. Quelqu'un, il fait 80 000, l'autre, il va faire 800 000. Voilà. C'est, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Pareil pour les vues, vous avez vu, hein, sur eBay, c'est 27 millions, puis après c'est 200 000 ailleurs. Donc forcément,
c'est du x10. C'est x10 en visite, x10 en vente. Ça veut dire que si vous vous lancez maintenant, vous faites 2-3 ventes, au UK, vous en ferez peut-être 20-30. C'est ça l'idée. Après, c'est... je ne vais pas vous garantir des résultats ou dire oh, tu vas faire ça parce que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre travail. Encore une fois, il faut se bouger les fesses et cartonner. Mais on va dire que si vous vous lancez sur les marchés étrangers, vous aurez plus de ventes, plus de marge. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. Et vous ferez moins d'efforts, en fait, si vous voulez, pour avoir des résultats beaucoup plus élevés. Donc voilà, ça c'est des chiffres vite fait que je prends à l'arrache comme ça en live, j'ai pas rien préparé, je me dis voilà, je le prends comme ça à l'arrache, mais on va dire que vous pouvez faire ça, surtout on peut faire ça sur l'Allemagne, on peut prendre un vendeur aussi en Allemagne. Alors là, lui que je vous ai montré à 80K en France, ça doit être un des plus gros, je vous le dis, parce qu'il pèse lourd. Et après on en prend, après les gens qui vendent des Apple, tout ça, bon c'est sûr que c'est pas le même, lui aussi voilà, il a 33 000, vous voyez, c'est à peu près là, j'essaye de prendre des vendeurs à évaluation égale, donc j'étais assez juste. En France j'ai pris 37 000, au UK j'ai pris 42 000, bon j'essaie de rester voilà. Et là je vais en prendre un 32 960, après lui il vend des téléphones, je sais même pas si, bon c'est vrai que ça va être du CA beaucoup plus élevé avec une marge plus, ouais non ça marche pas, vous voyez, bon bah tant pis, ça marche pas toujours parce que des fois bah il y a trop de produits ou il y a pas assez de produits ou ils sont pas dans la base de données, je sais pas quoi machin, bon voilà. En tout cas, je vous garantis que les vendeurs allemands, c'est du lourd. C'est du 300, c'est du 6 chiffres, hein. Il n'y a pas de 5 chiffres. Les gros vendeurs, ils font vraiment rarement pas 5 chiffres, c'est plutôt du 6 chiffres. Ouais, 400 000. Bon, après, j'en ai pris un qui pèse quand même. Mais bon, il a que 13 annonces. Il a fait 600 ventes avec 13 annonces, le mec. Donc bon, il a un panier moyen de 651. Bon, il vend que des produits chers. Après même s'il prend 10% sur ça, s'il prend 40K net par mois dans la poche, on va pas se plaindre, voilà. Parce que ça reste du revenu, n'oubliez pas, il faut enlever tous les frais, tous les taxes, tous les machins, mais bon, 400K, même s'il prend 10%, il a 40K net dans sa poche, voilà. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire les amis, c'est que les marchés étrangers, il y a du gros cash à faire. Je vous ai montré quelques chiffres là vite fait à la rage comme ça, mais bien sûr que vous l'avez compris que le gros cash est là. C'est comme ça que je gagne mon cash aussi, je vous le cache pas, je vous le dis depuis des années sur YouTube, je suis transparent depuis des années sur ce que je fais, donc voilà, le UK pour moi c'est le meilleur. Après bien sûr que l'Allemagne, les marchés espagnols, il y a du gros potentiel, et ce que je vous conseille c'est maintenant, au lieu d'en parler comme ça sur YouTube à l'arrache, on va passer à l'action les amis, on va se lancer ensemble, on va briser les frontières ensemble, on va péter ces murs ou ces barrières mentales que vous avez, on va aller à l'étranger, il n'y a rien de compliqué, pas besoin d'avoir 15 000 sociétés à l'étranger, pas besoin d'avoir 15 000 compétences, pas besoin d'avoir un budget énorme, pas besoin d'avoir d'être un pro en fiscalité ou parler des langues étrangères, vous pouvez tout faire, et je vais tout vous donner, de toute façon vous aurez niche, produits, fournisseurs, marketplace, outils, sites, pépites, fiscalité, j'en parle tout, des secrets que je dévoilerai pas ici bien sûr, mais bon, le problème c'est que tout ça finit dans une semaine ITL et disponible une semaine seulement, après ça je ferme ça définitivement les amis, donc lancez-vous, vous avez le lien en dessous, cliquez sur je me lance, vous appuyez là et vous pouvez rejoindre, vous avez juste 7 jours, le 6 octobre à minuit, je ferme tout et vous aurez accès le 7 octobre à 15h au contenu à la fin de la pré-vente. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai été clair, si vous avez des questions, vous avez un lien en dessous. Voilà, vous avez vu quelques chiffres à l'arrache comme ça. Vous pouvez aller faire vos recherches vous-même, aller voir vite fait. Mais il y a du gros potentiel. Et c'est à vous de prendre votre futur en main si vous voulez. En fait, ça va être simple. Je vais vous faire un truc simple. Le Q4, ça va. Vous pouvez, on va dire que voilà, sur le Q4, vous allez faire, je sais pas moi, allez, 50K en France. Vous allez pouvoir faire 200K au UK. Vous allez pouvoir faire 150K en Allemagne. Vous allez pouvoir faire, je sais pas, 400K au US, par exemple. C'est un exemple, encore une fois. Ce n'est pas des promesses de gains, mais je veux dire que si vous faites 10K en France, vous allez pouvoir faire, je sais pas, 30-40K au UK, par exemple. C'est ça le truc. C'est que ça, pour moi, mes chiffres, c'est du x4, x5, voire x10 des fois le marché FR par rapport au marché UK, par exemple. Je parle que du UK, bien évidemment. Donc voilà les amis, ITL pour les gens qui ont des formations déjà à l'international, UK, US, Allemagne, c'est complémentaire. Je vais donner de la pépite que je n'ai jamais révélée ou dévoilée auparavant. Et il y aura toujours du neuf, vous apprendrez toujours quelque chose. Voilà, parce que ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est 200€ de valeur. Je le fais à 37, c'est une blague, ça sert 200€ de valeur. Voilà, voilà les amis, vous avez un lien en dessous, lancez-vous, foncez, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un lien en dessous, il y a un lien pour rejoindre, mais il y a un bouton me contacter, vous pouvez m'écrire, je suis dispo 7-7, je réponds à tout le monde, donc vous pouvez m'écrire un commentaire sur la vidéo, ou me contacter, je suis dispo 7-7, comme d'hab, et bien sûr, toutes les formations viennent avec 100% garantie, mais aussi avec un support 7-7 par mail. Voilà, allez les amis, j'espère
que vous allez vous lancer. Parce que si vous en avez marre des ventes nulles, des marges nulles, du business lent et de pas vraiment en vivre, l'étranger va faire... Il y a une grosse part à jouer là-dedans. Bien sûr que si vous avez les mauvais fournisseurs, les mauvais produits, les mauvais tout ça, ça va y faire. Mais on va dire que le marché, ça fait une grosse différence aussi. Parce que si d'entrée, vous démarrez sur le marché un peu bancal, bah, vous aurez des résultats bancal, avec un S, banco. Voilà, donc vous l'avez compris. Voilà, donc je peux rien vous dire de mieux. Je peux pas être plus transparent. Je vous dis que c'est l'international qui fait la différence en termes de chiffres. Vous pouvez faire des chiffres en France, je dis pas, mais... beaucoup moins élevé que si vous vendiez à l'étranger. Voilà les amis. Donc, et j'en suis sûr que les trois quarts des gens qui abandonnent l'e-commerce et qui galèrent, c'est parce qu'ils sont sur le marché FR, ils sont sur un marché qui est assez restreint, assez fait petit, et ils n'arrivent jamais à faire des vraiment gros chiffres. C'est pour ça qu'ils abandonnent, parce qu'ils n'en vivent pas vraiment. C'est pareil avec le SEO, c'est pareil avec le reste, hein, je veux dire, c'est pas que les marketplaces ou l'e-commerce. Voilà, en tout cas, donc, pour faire une grosse différence, l'international est la clé, c'est pour ça que je suis fier de vous présenter ITL, et en plus c'est exactement mon expertise, là on va parler e-commerce, marketplace, vendre à l'international et à l'étranger, qui est de plus étranger que moi. voilà, je vis à l'étranger, vous le savez, depuis 15 ans maintenant, quoi, même plus, j'en sais rien, j'ai même plus compté, et voilà, j'ai des sociétés à l'étranger, je vis à l'étranger, mes business sont à l'étranger, j'ai visité quoi, je sais pas, une quarantaine de pays, j'ai visité 200 villes différentes, bref. Je suis toujours en vadrouille, les gens qui me connaissent, qui me suivent. C'est vrai que je partage pas beaucoup, parce qu'en fait, j'ai une philosophie où je préfère vivre ma vie et pas à travers une caméra. Donc quand je vis quelque chose, c'est vrai que j'ai pas tendance à prendre mon téléphone et à le filmer et à prendre des photos, parce que c'est pas mon truc. Je préfère vivre le moment, y être vraiment, parce qu'à travers le téléphone, j'ai l'impression que ça fausse les expériences. Mais bon, en tout cas, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Une quarantaine de pays, et j'ai vu beaucoup de choses. Et tous les mois, en fait, je fais un voyage par mois, en fait. Donc en gros, je fais 12 voyages par an. Donc voilà, donc j'essaye toujours d'aller à des endroits différents. C'est pour ça que des fois vous me voyez filmer à des endroits différents, parce que je pars en vadrouille, quoi. Voilà, et je fais pas des vlogs dessus, je montre pas trop mon lifestyle extravagant. Voilà, bon, bref, c'est pas mon truc, vous le savez depuis le temps que je fais cette chaîne. Voilà les amis, donc lancez-vous. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, hein, je vous ai tout dit, je pense. Lancez-vous, ITL, vendre à l'international, la clé, lien en dessous. Vous me l'avez demandé, j'ai fait un sondage. C'est ce qui a gagné, donc j'ai fait un peu ce que vous avez voulu, hein. Je suis un peu la communauté. Et ce sera la 51e formation de l'Académie Profimi. Donc ça avance. J'ai créé cette académie il y a un an et demi. J'ai commencé à faire des formations en 2019 et j'en suis déjà à 51 formations. C'est beau. Et il y a des gens qui me connaissent peut-être depuis longtemps, des gens qui viennent à peine d'arriver. En tout cas, je vous garantis que vous êtes au bon endroit. Suivez, appliquez ce que j'enseigne. Et il n'y a pas de raison, vous aurez des résultats. Mais il faut travailler, bien évidemment, une heure par jour, tous les jours, sans arrêt, sans jour de repos, sans week-end. Et vous verrez la différence, les amis. Allez, je vous aime, je vous souhaite de très bonnes ventes à tous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.